Quand tu n'as plus, Inès, je te donne encore. Hein. Moi, je vais. C'est bien, elle les remplit bien, Inès, c'est bien. Ouais. Attends, on voit que tu as faim. Hein. Non, Inès, ça les remplit pas. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bien, comme ça, c'est bien. Salam alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gâteau. On va préparer un gâteau à quoi? Au miel. Voilà. Inès, elle avait trop envie d'un gâteau au miel. Alors, je me suis dit, on va le préparer aujourd'hui, le gâteau au miel. Et comme ça, on l'a pour ce soir, pour le dessert. Ok? Oui. Alors là, ça va être elle qui va, Yasmine, qui va nous indiquer les ingrédients. Inès, elle va préparer les ingrédients avec Yasmine aussi. Mais c'est tout Yasmine qui va nous dire ce qu'il faut comme ingrédient. Ok Yasmine? C'est parti? On attaque? Oui. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par quoi? Le premier, il nous faudrait quoi? 200 g de farine. 200 g de farine. Alors, là, Inès, elle va préparer 200 g de farine. Alors, attends. On met le bol. Tu appuies ici, Inès, une fois. C'est bon. Et là, tu donnes une cuillère. Voilà. Là, tu vas nous préparer, mais sans toucher la balance, sinon ça va fausser le dosage. Là, tu prends, tu mets déjà une cuillère. Tiens, prends une cuillère de farine, tu mets dans le bol. Voilà. Vas-y, tu peux encore en mettre. T'as vu, là, on est qu'à 13 grammes. Il en faut 200. Voilà. Allez, tu peux y aller. On est à 61. 82 grammes. Et doucement. Hein. Voilà. Presque 100. Allez, vas-y. Non, non, encore. Vas-y, il faut 200. Doucement. Allez, juste doucement. Voilà. Allez, mais encore. Encore. Voilà, encore. Encore 50 grammes. Voilà, hop, doucement. Allez, hop. Doucement. Non. On est à 180. Doucement. Voilà, 200. Non, c'est bon. Merci. Voilà. C'est pas grave. Mais il y en a 200. Ouais, il y a 200 grammes. Voilà. Alors là, on a fait la farine. Maintenant, il nous faudrait combien de sucre, Yasmine? 150 grammes de sucre. Alors, tiens, Yasmine, je te laisse mettre 150 grammes. Tu verses direct, tu arrives? Allez, mets-nous 150. C'est beaucoup. Hop là, là doucement. Il y a un bout qui s'est venu. Ouais. Bon, un tout petit peu. Lève le paquet. On va aller encore. Il faut que tu lèves le paquet, pas qu'il touche le bol, sinon ça va fausser la. Voilà. Oh, on est presque. Combien on est là? 147. Voilà, 150, c'est bon. Ok. Alors maintenant, 150 grammes de sucre. Après, il nous faut encore un bol pour le beurre. Le beurre, il nous faut combien le beurre? Le beurre. 100 grammes. 100 grammes de beurre. Et c'est 100 grammes de beurre fondu. Voilà, il faut bien mettre 100 grammes de beurre fondu. Là, il y a 40. Je mets tout? Non, juste 100 grammes. Il y a presque plus de beurre. Voilà. Presque, t'as vu? 97, ça devrait suffire. 100 grammes de beurre fondu. Alors moi, je vais déjà le mettre au four à micro-ondes. Comme ça, il fond un petit peu. Voilà. Alors maintenant, il nous faudrait quoi encore? Là, c'est un sachet de levure. Là, il y en a un. 3 œufs. 4 cuillères à soupe de miel et 250 ml de lait. Okay. Alors, faut commencer par faire quoi? Là, le 1. Étape numéro 1. Mélange la farine. Alors, Inès, tu
farine dedans, s'il te plaît. Je mets tout? Oui, tu peux tout mettre. Ils disent de quoi, alors? Mélanger la farine. Le sucre. Tu peux verser le sucre. Ah, on n'a pas besoin de ça. On mélange la farine. Après. Le sachet de levure. Tiens, Inès. Il reste encore. C'est bon. Hop, le sachet de levure. Et les trois œufs. Hop, ça. Tiens, je te laisse mettre un sachet de levure dedans et les trois œufs. Tu peux tout verser le sachet, mais ça c'est ce qui va gonfler le gâteau. Il ne faut pas qu'il y en manque. Hein. Et trois œufs. Hop, voilà. C'est moi qui vais mélanger ? Voilà, alors maintenant. On va faire après bien mélanger. Donc je mélange un petit peu le début, après un peu Yacine et Inès pour tout bien finir, ok? Alors, et nous, c'est quoi la deuxième étape? Ajouter le miel et on mélange. On mélange. Ok. Alors, Inès, tu mets deux cuillères à soupe de miel. Voilà, une. Et deux. Et deux. Voilà. Maintenant, Yasmine, elle en met deux. Voilà, moi, j'ai eu le temps de préparer mon plat. Je l'ai beurré et j'ai mis de la farine. Comme ça, ça ne va pas coller. Bien là, nickel. Et surtout, c'est dur à mélanger. Merci. Ah, c'est dur, hein, t'as vu. Alors, viens Yasmine, toi tu vas mélanger. Maintenant, on rajoute le lait pour finir avec le lait. Moi, je te rajoute le lait et tu mélanges. Après, notre moitié sera Inès. Ça va faire du blanc. Vas-y. Voilà. Regardez comment c'est bien jaune. La bonne pâte pour le gâteau au miel. Et maintenant, on le verse dans le moule. Mmh. Wow. Alors, je vais commencer je vais faire des cannelloni ce soir. Alors, j'ai préparé la masse qui va dedans avec la sauce béchamel. Comme ça, ils vont se régaler. Alors, je vais commencer avec un peu de basla, aussi de l'échalote, et je vais déjà mettre la viande à cuire. Hop. Comme ça, ils vont se régaler avec cannelloni. Hop là. Bien mettre la viande. Hop. Là, j'ai préparé. Alors, vous allez prendre la viande hachée, la purée de tomates, concentré de tomates, la viande hachée, et moi je mets encore même des olives dedans pour donner le goût, avec basla et échalote.
Voilà, je vais mettre le tablier à ma femme. C'est lui. Oh, le beau cuisinier. Oh, bébé. Oui. Chouf. C'est quoi? Mon tablier. Mais non, mais c'est comme ça. Tu vois? C'est bizarre, hein? Un tablier, après, ça te va pas? Non, il me va pas. Je vais t'acheter un tablier cadeau pour ton anniversaire. S'il te plaît, bébé. C'est bon? Pour mon anniversaire, oui. Je veux que ce soit un tablier. Non, non, je veux que ce soit. Allez! Non, non, non. Je te ramène deux. Non, deux. Ça et un autre truc, hein. Là, on va prendre un petit peu les olives, ça va donner le goût à la sauce, couper aussi en morceaux. Voilà, ça sera la masse pour mettre dans le cannelloni. Voilà, avec les olives et tout, ça sent bon. J'espère juste que ce sera bien assaisonné. Hein. Maintenant, je vais faire la sauce béchamel. La sauce béchamel, facile. Hein. Mettez le lait. Là, j'ai mis 500 ml de lait, 40 g de beurre et 4 cuillères de farine. Là, on laisse bouillir le lait. Avec le beurre. Alors, attention. Alors voilà ma sauce béchamel. Il y a la cannelle et il y a... Ah ouais. Voilà. Ils sont venus à la rescousse pour m'aider. Moi déjà, je vais un petit peu d'huile dans le fond du plat pour pas que ça reste collé après. Hop. Voilà. Et les filles au charbon. Alors, je vais vous mettre chacun un petit peu. Alors, hop. Attention, attendez, écartez-vous juste un petit peu. Merci. Voilà, comme ça, vous me remplissez les cannelloni. Enlève-toi, Yasmine, s'il te plaît. Enlève-toi. Je vais te bouler. Recule. Ça sent trop bon. Ça sent bon? Déjà, ça sent bon, c'est bon signe. Hein. Moi, mon repas préféré, c'est les pâtes aux sauces. Ouais, là, ça va être les cannelloni, à mon avis, que tu vas préférer. C'est comme des pâtes. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Donc là, moi, je vais vous montrer un exemple. Inès. Inès. Là, chauffe. Comme ça. Juste, tu rentres la viande dedans. Faut tout remplir, ok? Allez-y, les filles. Tiens, je te donne. Hop. Ah ouais, ça s'est un peu cassé. Ouais. C'est trop fragile.
Tiens, je t'en mets 3 déjà. Tiens, Yasmine. Ouais. Il n'y a pas de pièces. Faut pas appuyer, hein, Inès. Tu rends juste ça dedans. Oui. Mais il y a des oignons. C'est pas grave, tu mets. Voilà. Là, juste. Bien les rentrer. Je pense qu'elle va pencher parce que c'est trop vite. Comme ça, on les farcit bien dedans. Voilà. J'ai fait tomber de la viande. C'est pas grave, mais sur l'assiette, regarde, c'est fait exprès, choqué. Comme ça. T'as vu? Regarde comment je fais. Je mets là et je pousse jusqu'au fond. Regarde. À chaque fois, ça tombe. Pas grave. Mais oui, c'est pas grave, ça tombe. Chauffe-moi. Regarde, ça tombe. Là. Ah, c'est bon. Tu le mets droit. Bah ouais. En fait, c'est fragile. Ben ouais, c'est de la pâte. Après, on fait de l'autre côté. Ils sont pas sur tes... Non, non, regarde. Juste, tu fais tout par le même côté, Yasmine. Chauffe. T'as vu, moi, ça me l'a rempli direct. Mais moi aussi, regarde. Voilà. J'ai fait comme ça, pousser. Ouais, tu pousses avec ta cuillère. Non, juste un petit peu. Non, non, regarde, regarde. Voilà. Là, ils sont remplis des deux côtés. Comme ça. Tu mets trop. Tu prends un petit peu. Regarde, chauffe Inès. Inès, faut le mettre droit. Comme ça. Parce que sinon, ça va tout tomber là. Tout ce que tu mets, ça tombe. Non, je mets là. Ben oui, c'est ça. Chauffe. Chauffe Inès. Tu mets droit. Comme je fais. Ben moi, regarde, c'est descend. Tu fais comme ça. T'as vu? T'as vu, Yasmine? T'as vu, ça pousse tout. C'est pas évident, hein? Oui, c'est bien, elle les remplit bien, Inès. C'est bien. Ouais. Attends, on voit que tu as faim, hein? Non, Inès, ça lui remplit pas. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est bien, comme ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on le mange le goût de la viande, moi. Moi, j'ai bien fait ça, toi. Mais bon, on est déjà trouvé derrière. C'est normal. Ah, c'est vrai. Faut bien mettre sur l'assiette, Yasmine. Pour ça, ça tombe dedans. Moi, j'ai fait tomber. Sinon, c'est pas grave. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, venez, après, il y a encore. Ah oui. Ah, il est déjà. Il est encore trop petit, mon petit loup. Miam, miam, ça, tu vas aimer ça. C'est sûr. Sûr à 100%, il va aimer les cannelloni. Ça, c'est italien, mon origine, ça. Ce soir, on mange pas marocain, on mange italien. C'est japonais. Non, c'est italien. Mais il y a le halira, là, il y a la soupe. Ah oui, la soupe. Eh ben, c'est d'abord le italien, après. Après, les... Oui, comment ça après l'italien. Ouais, pas de souci. C'est ton soeur, Inès? Oui. Bravo, franchement, bravo. Bravo, Inès. Là, ils arrivent tout à faire bien, ça, c'est bien. Amilette Filousine. Ça rapide quand je fais comme ça. L'usine, voilà. On dirait que vous êtes des usines. Encore. Oui, je te donne. Oh là là, Inès, c'est pas grave. Tiens, Inès, tiens. Tiens, Inès, ça va bien. Elle a besoin qu'une, je pense. Non, 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 plus là. Au moins deux. Ah, t'en as encore. Ah, oui, j'ai pris deux boîtes. Voilà, alors maintenant, je mets la sauce béchamel. Ah, j'aime la soupe. C'est pour faire la sauce, bien, tu verras, c'est trop bon. Il faut bien présenter. Voilà, on a beaucoup là. Mais voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, on va le mettre. Et voilà, maintenant je l'enfourne pendant au moins 40-45 minutes. On a oublié ça. I could get through to you, don't know what I'd do to you. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell. It's like we want the same things but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering. Some type of way.
fait.